Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Téala pour parler de cuisine, notre pays, La Réunion, ça que nous fait ici. Cuisine facile et simple à faire. Aujourd'hui, on va faire des macaronis avec de la tomate, des oignons, du sel, du poivre, tout ça là. Un plat qui est très 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 simple à faire et à la portée de tout le monde. Pour ça, on a les ingrédients, ils défilent. Il va falloir nous du sel, du poivre, de l'huile, des tomates, de l'ail, il va falloir nous aussi des oignons, il faut nous aussi un peu de coriandre pour mettre en dedans. On commence par faire frire les oignons bien comme qu'il faut là. Nous va bien faire rougir de façon à faire bien ressortir les arômes en dedans hein. Et comme il dit souvent, il faut prendre son temps pour bien faire. Une recette que dans le temps longtemps, nous t'ai fait souvent ici à La Réunion. Et comme elle est là, bah, n'aille pas faire des tomates en boîte, sinon ça, des sauces tomates déjà préparées. Alors que faire ou même une sauce tomate, il devient pas compliqué et il est assez goûteux, surtout avec des produits frais. Quand on a fini fait frites les bonnes oignons, on ajoute l'ail, le sel et le poivre écrasé. Et pour le poivre, il mieux vaut préférer du poivre en grain, du poivre noir en grain. Les meilleurs pour la santé. Et puis, il dégage bien les arômes, tout ça. Nous faisons notre recette comme d'habitude, hein, avec le temps. Nous prenons du temps pour faire et bien sûr, tout ça n'est pas compliqué. Hein. Donc, nous ajoutons les tomates. Nous ajoutons aussi un peu de coriandre ensemble. Alors moi, j'ajoute la coriandre ensemble, les tomates, là, tout de suite, de façon à ce que la coriandre, il parfume bien les tomates, il rende son jus bien à l'intérieur. Et la sauce tomate, comme il fait là, elle est pas compliquée. Hein. Avant, dans le temps longtemps, quand il fait un curry macaroni, ou qu'il appelle ça, hein, longtemps de bonnes grands-parents, quand on avait point trop mangé, tout ça là, t'es un petit peu pauvre, dans le temps longtemps, on avait point trop pour mettre... pour mettre de la marmite, donc il courait surtout sur ce genre de plat. Et nous appelons ça le macaroni. Alors les macaronis, les clients servaient aussi pour mettre dans le curry la viande volaille, tout ça. Maintenant, ils mettent ça dedans, ils ajoutent le macaroni dedans pour faire la quantité. Et il n'était pas mauvais du tout. Alors la sauce tomate, comme il fait là, elle n'est pas compliquée. Moi, j'y ajoute de l'eau chaude là, au fur et à mesure dedans, par petite quantité, de façon à faire bien sortir le bain de arômes. Moi, je ne mets pas comme certains, il remplit de l'eau dans la marmite. Après, il laisse les affaires cuire en dedans et il pense que le goût ne sort pas bien. Si vous voulez une sauce tomate bien comme qu'il faut, bah, nous prend le temps pour faire jusqu'à temps que toutes les tomates qui fondent deviennent bien en compote comme ça. Comme vous voyez, on ajoute de l'eau, surtout de l'eau chaude, hein, faut pas ajouter de l'eau fraîche en dedans parce que là nous y ajoute de l'eau fraîche. Et le problème avec l'eau fraîche, c'est que d'arrête la cuisson, il bouille dedans, il prend plus le temps encore. Voilà, notre sauce tomate, comme il est là, bon, ben, nous va mettre un petit peu de l'eau en dedans après, de l'eau chaude toujours, nous va couvrir la marmite et nous va laisser lui bien rendre son jus bien compoté. Comme il dit, il ne faut pas mettre un tas de l'eau en dedans, hein, si tu mets un tas de l'eau en dedans, c'est plus un sauce tomate, ça fait, c'est un bouillon de tomate et après, ça tu perds un peu les bonnes arômes dedans, voilà comment il les a fait. Hein. C'est aussi un plat très facile à faire pour les gens, là, pour les étudiants, là, tout ça, là, du côté de certaines universités, ils écoutent à nous, là, et qui fait cuire aux autres manger en suivant les recettes que m'y mettent en ligne. Ils disent aux autres, ben, ça, c'est une affaire, elle n'est pas compliquée à faire. Et puis, pour les pâtes, aux autres, ils n'aiment pas trop les pâtes entières, là, comme nous l'a fait là aujourd'hui spécialement. D'habitude, on utilise des pâtes complètes, hein, les meilleures pour la santé. Et surtout pour l'index glycémique, hein, le taux de sucre en dedans, hein, il est un peu moins fort avec les pâtes complètes. Mais quoi qu'il en soit, hein, donc c'est un sucre lent qui permet à l'organisme de bien tenir la journée. Hein.
mange à lui à midi les pas mauvais. Voilà, sauce tomate, là, fini. M'y ajoute les macaronis, les pâtes en dedans et m'y va tout en alu bien comme qu'il faut là. Voilà, comme je t'y vois là. Là, les naturels, hein, nous fait à l'huile naturelle, hein, m'y fait à l'huile naturelle parce que quand nous regarde ces certaines recettes, les tomates, les bien roses en dedans, tout ça là, mais quand on fait à l'huile naturelle, les pas artificiels, hein, donc ils ressortent à peu près comme ça. Voilà pour cette petite recette très très simple à faire à base de macaroni. Voilà, recette la finie. M'y remercie Azote d'avoir suivi ça. M'y dis Azote, tiens beau, serré, largue pas. Si Azote veut un bon Azote, n'hésite pas. Azote, tu peux faire ça.